Madame. Madame la Présidente, la Cour de justice de la République a prononcé la relaxe d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous voilà face à une décision abracadabrantesque, rendue notamment par des collègues ici présents qui constatent noir sur blanc que, je cite, « l'élément matériel des délits de prise illégale d'intérêt visé à la prévention apparaît établi à l'égard du prévenu, mais qui n'entre pas en voie de condamnation, je cite toujours, à défaut de caractérisation de l'élément intentionnel, car, attention, tenez-vous bien, le ministre n'avait pas, je cite toujours, « la conscience suffisante de s'exposer à la commission de l'infraction ». Refusant d'appliquer en conséquence la jurisprudence pourtant constante de la Cour de cassation. Le voici, malgré lui, condamné à l'innocence. Un véritable bras d'honneur à l'idée de justice ainsi qu'à la cohérence du droit. Avec cette erreur manifeste de droit, le pourvoi en cassation semblait évident. Et pourtant, ce lundi, par la voix même du procureur général Rémy Heitz, à rebours de ses propres réquisitions d'un an de prison avec sursis, a proposé de tourner la page, de regarder vers l'avenir, paraphrasant le garde des Sceaux. Quant à eux, les plaignants lésés ne peuvent pas se pourvoir en cassation du fait de la procédure de la CJR. S'il y a une page à tourner, c'est celle de la CJR, qui a fait la démonstration de son échec. Les macronistes proposaient déjà de la supprimer lors de la réforme constitutionnelle de 2018. Et bien que je prône une normalisation du traitement judiciaire des membres du gouvernement, il est nécessaire de maintenir une certaine spécificité afin de renforcer la légitimité démocratique et de garantir l'impartialité et l'indépendance de la justice. Alors Madame la Première Ministre, allez-vous proposer un projet constitutionnel supprimant la Cour de justice de la République et comprenant la formation de jugement avec un jury populaire, car qui de mieux que le peuple pour juger celles et ceux qu'il représente, l'alignement des règles de nomination du parquet sur celles du siège ou encore le rattachement de la police judiciaire à la magistrature. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernalicis, vous n'êtes ni procureur ni juge. Avec votre question, monsieur le député Bernalicis, vous piétinez l'autorité de la chose jugée, comme vous avez piétiné pendant des mois la présomption d'innocence. Comme vous le savez, la Cour de justice de la République est une juridiction composée de magistrats professionnels et de parlementaires de tous les groupes, y compris le vôtre. Dois-je vous rappeler que Madame Obono était une des juges? Après une enquête par la commission d'instruction, puis une audience, avec l'audition de nombreux témoins, elle a délibéré et elle a décidé la relaxe du garde des Sceaux. Hier, le procureur général de la Cour de cassation a annoncé qu'il ne formerait pas de pourvoi contre cette décision. Elle est donc définitive. Nous devons respecter nos procédures, monsieur le député, notre droit et notre constitution. Nous n'avons pas à commenter des décisions de justice. Encore une fois, nous devons respecter l'autorité de la chose jugée. Le ministre de la Justice est à la tâche, comme depuis le premier jour, dans le cadre de la feuille de route qui lui a été fixée par le président de la République et la Première ministre. Alors, monsieur le député Bernalicis, vous me demandez si la Cour de justice de la République doit être supprimée. C'est un débat constitutionnel qui a déjà été posé. Des réflexions ont eu lieu dans le cadre des États généraux de la justice. Il s'agirait d'une réforme constitutionnelle majeure qui toucherait au principe cardinal de la séparation des pouvoirs. Elle nécessiterait alors des concertations denses et une forme de consensus politique. Monsieur le député Bernalicis, la justice a tranché, respectez-la. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Moi aussi, je vais vous répondre de manière très relaxe. Je pense qu'il faut supprimer la Cour de justice de la République. Comme vous le proposiez, avec un jury populaire, vous devrez en répondre devant le peuple.